Salut, salut mes petits trompeaux anxieux, mais auto-enflammés, bientôt ordivéristes, pellico-scandalisés, ça va? Ouais. Avant toute chose, je voudrais protester contre l'arrêt de C8. Voilà, c'est fait. Ah, c'est pas facile pour Bolloré en ce moment, tu sais, faut faire les cartons de baba. Il y a l'affiche du petit Jordan qui pose problème. Hein, heureusement qu'il y a encore Pascal Pro qui lui fait des cabrioles. Les migrants, hein, ouais. Islamo-gauchistes, hein. Tout seul, putain. Mais pour l'affiche de Bardella, ils ont réservé 600 emplacements dans les 100 plus grandes gares de France pour faire la promo de son livre. Et la SNCF s'est réveillée la semaine dernière. Ah, c'est pour lui, on savait pas. Nous, on avait vu que l'argent. On avait vu que ça, en fait. T'sais, c'est bizarre. Il n'y a pas que les trains qui sont en retard chez eux. C'est un processus global. Tu vois, ils se sont aperçus, surtout, que nous, on s'en était aperçus. Et comment tu peux ne pas examiner quelque chose qui sera placardé partout chez toi? T'sais, c'est pas pour reparler de moi, mais moi, à la RATP, mon affiche, ils ont bien lu toutes les phrases. Hein. Il y a des syndicats de la SNCF qui ont dit qu'ils allaient recouvrir les affiches de Bardella qui seraient exposées. Très bonne idée, recouvrez ces affiches avec les miennes. Ouais. Comme ça, on les fait chier deux fois. Bon, après, Bolloré pourra toujours mettre en avant les affiches de Bardella dans les magasins relais présents dans toutes les gares parce que c'est à lui. Hein, il pourra aussi les mettre dans les rayons de Cultura parce que c'est aussi à lui. Et puis il y aura de la promo sur CNews, Européens, C-Star parce que ça, on a compris que c'était à lui. Hein, des fois, je me réveille en panique pour savoir s'il m'a pas racheté dans la nuit, Bolloré. En parlant d'argent foutu en l'air, on en est où du budget de l'État? Parce que de Macron, alias l'homme qui valait 160 milliards de déficit. Ils sont partagés là sur la hausse d'impôts. Ils s'interrogent sur qui la faire peser. C'est petit A sur les gens qui ont beaucoup d'argent, petit B sur les gens qui n'ont plus d'argent. À votre avis, ça va tomber sur qui, hein? Petit B ou petit B? Ils vont retirer le bouclier tarifaire sur l'électricité, par exemple. C'est le truc qu'ils avaient dit qu'ils ne bougeraient pas. Et bon, ils vont le bouger. Hein, c'est dingue le nombre de trucs qu'ils touchent en ayant oublié qu'ils avaient promis de ne pas y toucher. On dirait Nicolas Bedos en plein procès. T'sais. Ça marche avec tout. Ça marche avec tout. Sanofi qui vend le Doliprane, le gouvernement a dit nous allons sauvegarder l'emploi. Bon, tu peux déjà prendre le rendez-vous chez France Travail. Hein. D'ailleurs, dépêchez-vous parce qu'il y a tous les chroniqueurs de TPMP qui vont réserver des créneaux. Et pour combler le déficit, ils envisagent de rétablir la taxe d'habitation. Hein. Pas l'ISF, parce que ça représente que 5 milliards. L'ISF, c'est pas assez. Hein. La taxe d'habitation, c'est pas assez non plus. Mets ta gueule. 49.3, commence pas à pinailler. D'ailleurs, avec le 49.3, le gouvernement s'expose à une motion de censure qui ne sera pas votée par le RN, donc ils vont s'en sortir. Sauf que si le RN te protège, ça en dit autant sur eux que sur toi. T'sais, le RN, c'est ceux contre qui le gouvernement voulait qu'on fasse barrage pour protéger la République. Et maintenant, c'est le RN qui fait barrage pour protéger le gouvernement de la démocratie. J'ai envie de dormir, je te jure, je peux plus. Il n'y a plus d'argent. En termes de dépenses publiques, c'est vrai qu'on déconne. Je veux dire, Laurent Wauquiez, président de région, c'est les Républicains. Ouais, quand tu dis Républicain, tu sens qu'il y a une carotte au bout. Hein. T'es Sarkozy, Fillon, Balkany, Guéant, Juppé, Hortefeux, Dassault, il y a un algorithme de l'arnaque. Wauquiez, en termes de dépenses publiques, c'est environ 5000 balles de bouffe par mois. T'sais, il mange l'argent directement. Il fait quoi? Il va retirer des liasses au distributeur, il se fait des sandwichs avec deux billets de 500, une pile de 50. Amdoula. Enfin non, pas Amdoula, parce qu'il a fait un resto à 2000 balles avec trois journalistes de Valeurs Actuelles. Donc pas Amdoula, du tout, du tout. Hein? Ouais, j'ai demandé, les journalistes de Mediapart, ils n'ont pas été invités, par exemple. Hein? Ouais, mais quand même des millions d'euros par repas, il mange où, Laurent Wauquiez? En Martinique? Ouais, j'espère que vous avez annulé vos vacances là-bas. Hein. Il y a pénurie de zouk, hein, c'est fini. Hein. Ouais, les gens se révoltent là-bas parce que les prix sur l'alimentaire sont 2 à 4 fois plus chers là-bas qu'en métropole. C'est à cause du transport. C'est-à-dire, les tomates, elles arrivent à la nage sur le dos de Léon Marchand, c'est ça qui se passe? Elles sont dans des cagettes Gucci, il faut nous expliquer pourquoi. Bon, c'est surtout que les prix sont surtout fixés par les béquets. Salaire mignon, béquet, hein, c'est les descendants des colons européens. C'est pas les Teletubbies, hein. C'est des Pokémon de type esclavagiste. C'est un autre délire. Eux, ils possèdent à peu près tout. Si tu veux, les Antilles, c'est comme un Monopoly où les béquets, ils ont déjà tout acheté avant que la partie commence. Et les descendants d'esclaves, eux, ils ont même pas de pion. Ils doivent payer les dés. Il n'y a pas de carte chance. Et toutes les deux cases, il y a une prison. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Tu rajoutes à ça le manque d'eau, les hôpitaux en ruine, le chlordécone, c'est un pesticide ultra toxique qui distribue les cancers comme les MST dans les soirées de Pididi.
Faut pas s'étonner si d'un coup ça passe de sac à mâcher au coup de machette, faut pas faire la sucrée. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur la situation là-bas, de peur que ça donne des idées aux Français du continent. Hein. Ils veulent tellement pas faire de sujet sur les Antilles que limite ils préfèrent parler de Gaza, c'est plus simple. Le traitement médiatique du génocide, du massacre, des exactions, des escarmouches de l'armée israélienne à Gaza, c'est assez incroyable. À chaque fois que les journalistes en parlent, on dirait qu'il n'y a pas de responsable. J'ai lu, la nourriture n'arrive plus à Gaza. La pauvre nourriture avec ses petites papates, elle s'est perdue. Hein, pareil, des Palestiniens ont trouvé la mort. T'es limite, t'as l'impression qu'ils la cherchaient en famille comme les œufs de Pâques. Un hôpital de Gaza bombardé, point. Bombardé par des missiles en auto-entrepreneur, apparemment. Faudrait surtout pas froisser la seule démocratie du Moyen-Orient. Hein. Comme si une démocratie pouvait pas commettre de crimes. Demande au Vietnam, à l'Algérie, ils ont 2-3 exemples. Mais en plus, le gouvernement israélien définit son action comme une mission divine et tout le monde laisse faire. Et c'est la première fois que je vois un djihad autorisé. C'est nouveau. Alors, attention, hein. Macron demande à Netanyahou de se calmer. Hein. Il y a plus de chances que Emily in Paris reste in Paris que Netanyahou se calme. Macron, c'est comme s'il parlait tout seul devant son lavabo. Tu vois. Et encore, le lavabo, il te donne de l'eau. Netanyahou, l'eau, il te l'enlève. C'est un délire. L'armée israélienne tue tellement de civils que certains terroristes parlent de concurrence déloyale. T'sais. Même Poutine, il est jaloux. T'sais, les gars, mais pourquoi Bibi fait tout ce qu'il veut? Il n'y a que moi qui ai des sanctions. Moi, je tire sur des gens, ils sont même pas dans l'OTAN. C'est quoi la règle? Faut tuer que des Arabes? C'est ça le truc? Et maintenant, il y a Beyrouth qui est en flammes. Quand t'es Libanais, c'est simple. C'est comme si t'habitais dans un immeuble où tous tes voisins qui peuvent pas se blairer, ils viennent se taper dans ton salon. Ouais, c'est ça. Enfin bref, quand ça parle de budget, de rigueur, d'austérité, il y a bien un domaine où ils font jamais l'économie, c'est la guerre. Mediapart.